Mon Nara, donc aujourd'hui je suis habillé un peu comme un banquier, ça tombe bien parce que je vais vous parler donc du permis à 1 euro. J'ai reçu un mail donc hier soir, donc voilà, est-ce que vous faites le permis à 1 euro? Bon, les petites auto-écoles comme moi, on peut pas en général le faire. Je crois qu'il nous faut une caution d'à peu près 25 000 euros, voilà, premièrement. Et donc voilà, il y a beaucoup d'agences qui ne le font pas. Premièrement, voilà, donc nous déjà financièrement on peut pas. Deuxième chose, c'est un prêt, le permis à 1 euro. C'est un prêt. Alors, c'est souvent un prêt de 1200 euros. Je crois qu'il y a d'autres possibilités. Alors, quand vous faites un prêt, par exemple, de 1000 euros pour acheter une machine à laver de luxe, par exemple, à 1000 euros, bon, ben voilà, à la limite, why not, quoi. Si vous voulez une machine à laver tuning, pourquoi pas. Mais le problème du permis, c'est que le montant n'est pas définitif. Le permis, vous pouvez le repasser. Vous pouvez faire des heures sup. Vous pouvez vous casser une jambe. Il y a plein de choses qui font que le prix du permis, bah, on le sait pas. Donc, faire un prêt sur une somme définie, alors que ça peut vraiment aller au-delà, c'est dangereux. Alors évidemment, si vous faites un prêt de 1200 euros et que ça vous coûte au final 1000 euros, bon bah youpi. Et si ça vous coûte beaucoup plus, bah, va falloir les sortir. Et surtout que si vous faites un prêt, c'est que vous n'avez pas anticipé, ou vous, la famille, pour payer ce permis. Alors que bon, ça fait quand même partie dans la vie d'une grosse dépense, hein, malheureusement. Donc, non, le permis à 1 euro, je ne suis pas forcément pour. Et troisième chose, donc si vous le faites, ça reste un prêt. Donc, ça continue dans le temps. Imaginons, vous avez votre permis à un temps T. Un jour, vous allez vouloir faire un prêt pour avoir une plus grosse voiture, que votre, ou une plus grosse, plus jolie ou plus fiable, de préférence plus fiable d'ailleurs, voiture, à un temps T plus 2 par exemple. Ah oui, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire de prêt. Peut-être parce que vous en avez déjà un. Voilà. Donc tout ce qui est prêt à la consommation ou permis à 1 euro par jour, personnellement, je suis contre. J'ai rien contre les banquiers du tout. Il y en a des très bien. Mais je pense que non. Voilà. Alors, en province, donc comme moi, le code. Et je sais pas, je suis là pour vous faire mes tarifs. Le code peut ne pas coûter une fortune. Et pour le permis, bah, vous avez la conduite accompagnée, la conduite supervisée, qui permettent vraiment de payer beaucoup moins cher, car vous avez une vraie phase d'amélioration avec votre famille. Mais non, les prêts pour le permis, non, non.